devant le Congrès, et après-midi, pour être réagi. Et au moins, non seulement, il y a une administration que, mais juste ça, il n'y a pas aidé, il n'y a seulement contribué à plus de problèmes toujours, parce qu'il n'y a pas apporté aux solutions. Donc, il y a une administration, au lieu pour empêcher les gens de demander asile, parce que les États-Unis sont réputés comme côté qui est censé aider les gens à chercher le cap, chercher protection. Je dis que ça, c'est ça, le fait, c'est écrater la pécaté mon hôpital. Donc, il y a une administration pour retourner sous décision. Et il y a menacé. Il dit que s'il ne pas retourner sous décision, ben, il peut aller dans le tribunal. J'ai encore été fait déjà sous administration Donald Trump, là. Tout le temps, il n'était pas mis du bien, il est allé dans le tribunal avec. Il y a plusieurs monde qui témoignaient. Et c'est monde qui était entré dans le pays illégalement, avec parents. Il y a un parlementaire, un député qui sortit dans Chicago. Il y a un autre parlementaire qui lui-même c'est un réfugié, qui est entré ici aux États-Unis tout comme réfugié, avec parents. Et lui-même tout, lui parle tout. Et puis il y a LGBT. LGBT, c'est bon, c'est mon garçon, ma commère, mesdames, mon compère. Alors, pas que mesdames, non, alors c'est groupe, qui représentant garçon, ma commère, avec mesdames, mon compère, avec l'autre monde. Il y a le bisexuel, ou bien encore monde qui straight, monde qui mais monde qui groupe ça, il était parlé tout et eux même ils dit que et mesure ça il détruit au lieu que il résout le problème là. Donc c'est des réactions et groupe non. Une autre réaction encore c'est et gouverneur et député magistrat monde qui censé sortir sous frontière et qui connaît problème immigrant. Eh bien, il était tout dans la Maison Blanche, il était sur l'invitation, puis il était venu, et il était pas là avec la presse, côté que, pour même, il dit que, parce que, c'est ou pas dans la bonne direction. Même si, au fond, il pas résout le problème, là. Problème crise migratoire, là, ou bien, ce problème sécurité sous frontière, là, pas résout. Dès qu'il n'y a pas résout, lui, parce que ça va pas empêcher, monde continue à venir, monde continue à venir. Parce que je dis, à comparer à 2015, 2016, là, par exemple, t'es gagné, c'était immigrant, t'es contre ceci dans l'Amérique latine, non? Ça a été les triangles, eh bien, bon. Je dis à gagné immigrant sorti plus loin que ça. Bah, la vie nouvelle net, et gagné immigrant sorti en Europe. Par exemple, en Ukraine. Gagné immigrant sorti en Afrique. Gagné immigrant sorti en Asie. La Chine. Inde. Même si t'es quelque ça, donc, chiffre là, li dépasser je dis et Mexique censé qui c'est censé pays voisin qui facile pour que immigrants arrivent eh bien Mexique lui même tout li dit pas carimbé li gon nouveau président son femme et en pile monde espère que li pral essayer contrôler flot immigrant parce que c'est une bail que administration travail ça avec Mexique pour contrôler flot immigrant qui arrive sur frontière donc si Mexique capable contrôler eh bien ça capable gagner moins nous capable sur frontière eh bien bon. Donc, quand c'est des migrants, ça y est, le chiffre n'a pas résolu. Donc, c'est ça que, par député ou bien encore, magistrat communal, il fait qu'on a que 10 points. Mais, il y a quoi que ce soit pas dans la bonne direction. Donc, ce point ça, m'a pris pour me retourner sur le dossier ça, parce que j'étais dans la Maison Blanche, j'étais fait un reportage. Et justement, j'étais, en bref, ça que t'es dit, mais je ne pas aller en profondeur. Je dis, on va en profondeur, côté nous, il faut attendre. Voit tout le monde tout qui concerne et qui parle de dossier. Il y a tout et agence des Nations Unies pour réfugiés autour qui reconnaît que c'est droit États-Unis qui pour le contrôle des frontières. Mais il dit que mais juste ça, il peut empêcher et monde cap chercher, il va chercher monde cap chercher et protection internationale empêcher aux jeunes accès pour ta font demande de comme réfugié aux États-Unis. Donc c'est réaction agence de l'ONU pour réfugiés au fait sur question c'est là. C'est tout bas ça. Donc, nous avons parlé tout avec Galine Joseph, qui est responsable de la chaîne Brise Alliance. Donc, il y a l'autre dossier qui est en cours. Nous n'avons pas oublié qu'il y a un dossier là, par exemple, l'administration a fait annoncer hier. Mais il y a l'autre dossier tout qui devant toujours. Il y a des démarches qu'il a fait pour même qu'il a gardé là. Dossier pour les monde qui a un dossier TPS. Là, pour renouveler. Et dossier TPSA ou bien encore là pour considérer un série de pays et dans le nouveau programme TPSA. Donc nous pouvons connaître, nous attendons pour nous que l'administration et qui pour faire une annonce pour dire oui ou non la renouveler. Donc second dossier TPSA en mon
et que l'expiré qu'on y a, le permis de travail expiré, bon, rappelons que nous avons dit, renouveler le permis de travail là en attendant. Ok. Donc, renouveler le permis de travail là en attendant. En attendant qu'on jeune on réponse pour qu'on ça cap faire etc. Donc c'est ça comme et puis pour monde qui gagne programme qui dans programme Biden tout donc nous encourageons tout continuer prendre rendez-vous continuer tendre sur c'est dans programme Biden nous et sur sous frontière administration conseil et le mando à faire application ça veut dire que loi que décret présidentiel a pas affecté donc ça veut dire le mando et au gain doit toujours continuer faire demande pour venir prendre rendez-vous pour venir demander asile sous frontière donc remplir application CBP voilà voilà si ça et puis dans le pays d'Haïti bon et qui est toujours attente que le gouvernement a pu mettre sous pied a pas annoncé membre cabinet ministériel là et premier ministre Gary Conille dit rencontré avec le conseil présidentiel et conseil présidentiel là donc bon de transition hein. Donc il y a rencontré avec eux et ils ont discuté ils parlent de nécessité pour réduire ça comme si c'est un décret côté que si y arrivait 2500 monde sous frontière là catégoriquement il a fermé tout bagaille qui veut dire tout le monde qui sous frontière là qu'on y a pral obligé rester plus Apton en Mexique. Et seul moyen officiel, comme nous toujours dit tout le monde, est que y aurait renforcé Kounia, c'est pour nous catégoriquement entrer dans le programme CBP1. C'est pour lui faire application CBP1, c'est pour lui tendre pour y aurait les lits, pour lui capable de jouer accès pour entrer aux États-Unis. Le fin entrer aux États-Unis, il est capable de faire demande d'asile. Problème dans Kounia, c'est que avant, il était plus ou moins, depuis mon avis, il était capable plus ou moins de chance, mais Kounia, il mettait une limite dans la quantité de monde. Côté que d'ailleurs, c'est 1500 monde que abordé pour rentrer. Et si t'arrive, il y a plus que ça arrive dans, depuis, il y a 2500 monde, il y a fermé frontière catégoriquement. Mais d'après les militants, nous dit que. Il n'y a pas pris de problème, non, parce que ce n'est pas la solution à ça. Qui ça que nous-mêmes nous suggérer? Non, au contraire, il fait problème non plus difficile. Ça nous suggérer, c'était pour te mettre plus officiers sur frontière, pour te capable de bailler plus mon accès. Parce que plus mon qui vient accès, plus mon capable de rentrer, pour être capable de suivre la loi migratoire américaine, pour remplir et application pour asile, pour être capable de tendre en attendant, pour faire permis de travail. Et si vous êtes rentré aux États-Unis, nous avons bataillé en pile pour nous capable de joindre une victoire sur cause TPS pour Haïti. Là, vous avez annoncé là, qu'il y a monde ça vous avez joindre accès à ça. Malheureusement, qu'il y a pour ça que nous tout ta bataille ou est membre de congrès qui est là, nous avons gagné plusieurs membres de congrès qui est là. Mettez tête ensemble avec nous-mêmes qui a bataille en faveur et pour la communauté haïtienne et toute notre communauté qui gagne migrants ici. C'est pour demander au président pour lui changer de direction que côté que lui a mettez pays, côté que nous-mêmes ensemble avec lui capables de joindre une meilleure façon pour nous recevoir les gens qui demandent d'asile, les gens qui migrants, les gens qui cherchent protection. Alors, changement de direction, ça, c'est sans pile dans l'orateur qui est là, demandé pour changer de direction carrément, mais dans quelle direction que nous voulons aller, puisque lui-même, il pensait que, et c'est un projet qui était déjà là, déjà, que les républicains vont combattre. Donc, tu penses que pour lui-même, c'était la meilleure solution? Non, solution, ça n'est pas bon du tout. Parce que c'est une solution qui m'a dit, qui mariait presque trois programmes que président avant président Trump te mettait sous pied côté que c'était MPP côté que t'as retourné mon au Mexique petite 42 qui était complètement fermé frontière là et puis ça que yo te relé et Women in Mexico n'est-ce pas qui vient mettre tout ensemble qui bail un résultat qui pas vraiment favorable avec immigrants avec communauté surtout avec monde qui trouvé sous frontière là chercher la vie.
Mais plusieurs magistrats qui sont frontières, même qui vivent frontalières, qui ont été invités dans la rencontre aujourd'hui avec le président Joe Biden, ils croient que pour eux-mêmes sont soulagés parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas aimé, ouais, mon Dieu, qu'ils ont risqué la vie, ils croient que c'est meilleure solution, c'est une solution, même s'ils n'ont pas résolu le problème. Oui, alors, il est très difficile pour dire ça parce que si ou pas, mon Dieu, mourir devant, ça ne veut pas dire que mon Dieu n'a pas mourir pour ça. N'est-ce pas? C'est ça que nous voulons faire gouvernement comprendre. Faire mon force rester au Mexique, faire pas gagner moyen accès pour les capables venir chercher la vie, pour les capables venir demander et protection. Également, ça n'a continué faire tout chaque jour dans région Bujalaine, c'est enterrer mon sous frontière. Alors nous parlons de plus enterrement sous frontière, plus mon a mouri que c'est haïtien, que c'est l'autre pays et bagaille pral vraiment difficile. Et ça pral faire tout monde qui essaie entrer dans moyen irrégulier qui soit entré en bas fil qui passait sous tête et voilà sous tête muraille là yo pral mettre tout dans prison et tout monde ça yo pral déporter égal nous pral ouais une augmentation dans monde qui pral retrouver dans prison et augmentation tout dans monde qui pral déporter ça fait nous supplier haïtien frère nous action nous qui trouver sous frontière là qui dans Mexique tant pris. Je nous toujours dit, nous connaissons des choses difficiles, mais prends patience et rassurez que nous faisons application CBPE tant que y aurait les noms, parce que à cause de nouveau l'ordre de sa président Baila, nous prenons plus et plus déportations, plus monde trouver en prison. Est-ce que nous allons faire même Jean, nous fait sur l'administration et ancien président Tromplan, l'elle adopté même loi, même exécutif, même décret ça. Quand elle était bloquée, conseil des migrants dehors, est-ce qu'on a pu aller dans le tribunal avec de ceci là? Absolument. Depuis le gouvernement n'a pas changé de direction, nous tous pral mettre tête ensemble pour nous capables combattre, pour nous joindre une solution qui en faveur, qui humaine et qui tout capable porter et comment nous dit ça en anglais, a better way, qui capable bailler une meilleure voie pour nous capable joindre protection, joindre un moyen pour nous survivre. Comme si nous pour un pays tant que Haïti, n'est-ce pas? Mon yo quitté pays, yo passé dans plusieurs autres pays qui bagaille pas facile pour yo vinn river sur frontière là. Nous j'aime tout là mon yo mourir chaque jour. Alors nous devons rassurer nous que nous push back, que nous repousser toute mauvaise règlement que le gouvernement a mis sous pied. Alors nous camper solide avec la communauté hein, si c'est pour nous relayer le gouvernement, la justice n'a fait ça. N'a pas approché de date 4 août qui se va expiration TPS. À qui point nous y est dans la démarche nous? Bon, nous, notre point qui est très positif. Mais ça me capable de dire, c'est que tout autant nous pouvons joindre annonce là, nous pas pral dire que nous gagnons bataille là. C'est ça qui fait nous continuer bataille là. Et comme tout le monde te connaît, que nous te espéré que nous t'as bail annonce aujourd'hui, hein. Mais nous pas vraiment d'accord pour annoncer tes bail avec annonce catastrophique ça qui bail côté que li vraiment est un bagage négatif pour communauté et immigrant, pour monde qui bataille pour immigrants et pour monde qui sous frontière là. Alors nous espérer que plus tôt que possible nous gagnions une victoire pour TPS là, mais nous allons continuer la bataille jusqu'à ce que nous joignions une victoire qui est absolue pour la communauté. Il y a plusieurs articles qui paraissent dans quelques journaux, oui, je dis, et qui même dit que le président Biden a une amnistie de près de 350 000 personnes. Son nouvel recours de décision, ça a gagné un peu de monde qui bénéficie. Et il a estimé à ce chiffre-là à 350 000 personnes qui sont capables de bénéficier de décision, ça. So, alors nous avons checké pour nous vraiment capable comprendre décision parce que nous pouvons fin et calculer bien pour nous capable faire un bon débat sur lui. Alors on connaît semaine prochaine moi même avec vous même si c'est par Zoom n'a pour retourner pour bail exactement qui ça veut dire qui gens ça a impacté affecté communauté haïtienne spécifiquement et communauté immigrant en général. Alors en gros avant d'aller et nouveau décret qui gens nous capables bien essayer expliquer qui ça là dans exactement. Ça qui l'a donné c'est que pour le moment le président fait un ordre exécutif côté que lui dit et le depuis nous arriver sur une quantité de monde qui dépasse ou bien qui presque arrivé dans 2500 monde, il a fermé frontière catégoriquement. Égal, c'est un moyen que il a essayé pour y voir si on était capable diminuer quantité de monde qui sur frontière. Ça me fait demander illégal.
qui a fait des demandes irrégulières. Irrégulières. Yes. Mais juste ça n'a pas affecté, par exemple, mon cap rendez-vous, par exemple. Non, alors, j'en que l'y a affecté mon cap rendez-vous, le bras un peu plus allongé. Parce que yo bay yon maximum de nombre de monde qui est capable et yo capable recevoir chaque jour. Alors pour clarifier tout, faut nous comprendre que pas vraiment gagné en trop assez officier immigration sous frontière là et ça n'a demandé au lieu pour yo ta diminuer dans nombre de monde qui a entré, c'est pour yo ta augmenter le nombre d'officiers d'asile qui sont capables de se frontière là pour faciliter les gens à jouer un accès. Et si les gens qui pas gagné, qui viennent sans maman, sans papa sous frontière, et je pense que c'est une nous qui est à cœur, nous sommes militants, surtout si les gens sont mineurs, que l'administration a exempté tout dans les municipales là. Oui, exactement. Et comme on a dit la dernière fois, c'est causer cause de les gens qui viennent sans parents, ils sont en bataille pour les pile. Nous commençons à voir un petit mouvement positif la dani, mais problème dans ça que n'a dit communauté, c'est que là où on ti moun ou la gueule dans Mexique ou par contre qui ça qui ka arrivé. Alors nous toujours dit communauté a prend précaution, tant pris pas la gueule ti moun avec ma tante tonton, puisque nous connaît que il y a vraiment difficile pour capable rentrer ensemble avec yo. Nous connaît bagay yo extrêmement catastrophe, mais d'après moi-même, pour ça n'a pas oué, pour valeur timon nous connaît qui disparaît, pour valeur et abus nous connaît qu'ap fait, nous cautionner et parents yo tant pris pour yo pas ta continuer à plaguer timon au Mexique sans que yo pas gagné yon accès confirmé côté que timon n'est capable survivre. La voix de la médium, merci, Kelly Joseph. Nous avons regardé sur Waters, moi, sous frontière Eagle Pass là. Greg Abbott déployé 300 soldats. Est-ce que vous recommandez ça? Pendant que nous attendons ça, nous sommes dans l'avion à Vini. Alors, c'est l'homme retourné pour le checker pour moi exactement. Mais nous tous connaissons que le gouverneur Abbott, c'est un monde qui est complètement contre les migrants et qui a une idéologie extrêmement raciste, qui ne veut pas vraiment être ouais, noir ou bien être latino. Yo. Et nous connaissons que il y a un pile de choses que lui fait qui est vraiment inhumaine, côté que un pile monde mourit à cause de gens de comportement ou bien de système que lui voulait mettre sous pied. Alors et que lui c'est à bot dans Texas ou bien et gouverneur dans Floride, nous ouais que c'est même pressentiment, côté que il vraiment agi de façon qui basé et centré sur racisme. Est-ce que le projet de loi ça, hein? Est-ce que le papier ça, Trump signe aujourd'hui, Biden signe aujourd'hui, a pas renforcé Nexario dans le travail à faire contre les immigrants? Bon, dans une façon, oui, dans une façon, non, parce que chaque monde a un point de vue différent. Alors, nous toujours mettons dans un sens pour nous vraiment analyser côté monde dans sorti. Et nous croyons que sa président Biden fait n'est pas vraiment nan au cours de ça que nous-mêmes nous t'arrêtons. Mais il n'est pas arrivé dans un niveau comme si un monde, tant que le gouvernement aborde, qui tout ça lui fait, c'est des crimes contre l'humanité qui vraiment servent un moyen qui déplorable sous frontière là. Et problème que nous gagnons, c'est que pressentiment ça yo, c'est pas seulement les mêmes qui gagnent ni, c'est plus que tout état républicain yo qui a des pour faire un processus ou bien quoi analyse de ceux qui sont entrés, eh bien oui illégal, eh bien ça au sujet à déportation et autorité qui a ces outils dans mes connais. Alors frontière capable fermer d'après décret, les chiffres immigrants qui viennent porter tête ou viennent au Kembe ou viennent porter tête ou viennent, les chiffres arrivent à 2500. Et frontière fermé pour 14 jours ou bien jusqu'à ce que chiffre là les descendent à moins que 1500. Donc pour aller monter descendre avec des cas permettre de monter descendre sous fermeture à ouverture frontière les gagnants et les situations présentées, mais décret n'est pas affecté monde par exemple qui fait application CBP 1 qui vient demander qui prend rendez-vous et qui demande asile, n'est pas affecté mineur qui est sous frontière sans parents yo, n'est pas affecté monde qui a une urgence médicale par exemple une femme enceinte qui va la coucher etc., qui est en tranchée etc., ou bien encore un monde qui est victime par exemple de ça le trafic humain.
Donc, dès que ça n'a pas concerné eux, ils n'ont pas là-dedans, ils n'ont pas affecté, ils n'ont pas d'impact sur eux-mêmes. Mais, il y a un peu d'inquiétude, tout, par exemple, Amnesty International exprime inquiétude pour que décret ça n'ait pas empêché accès à monde qui vraiment en a besoin, ou bien monde qui a couru pour persécution politique et crime, etc. Et bien, monde ça qui en a vraiment besoin, et bien, décret capable pas permettre que les jeunes accès à système asile américain. Et américains, pratiquement, ils sont champions dans l'affaire pour bail monde protection, alors que décret ça, c'est peut-être limité. Donc, c'est ça qui gagne là qu'on y a. Donc, mon yon a vini. Et je dis à Marguerite pour me parler de un groupe monde qui est immigration et pas qu'un bébé qui te rend tête, yo. Dans zone San Diego, parce que San Diego actuellement, c'est au point chaud, au point côté grand pile activité. San Diego, c'est lui qui est en face Tijuana. Donc, c'est lui-même qui est en Californie, mais en face Tijuana. Donc, porte San Isidro. C'est pas d'entrer ça. Et, mais il n'y a pas empêché que, immigrants utilisés pour zone ça en pile. Là, ils ont mis là, mais on monte sur mira là, ils sont en bas. Et donc, immigrants utilisés en pile pour y rentrer aux États-Unis illégalement. Ils utilisent en pile. Donc, c'est en pile activité. Donc, on a bloqué 9 points d'entrée. Donc, les quantités de points d'entrée, au tard, pour journée, il y a 2500 monde qui ont qu'un bébé. Mais bon, faut-il le faire, mais pour 14 jours. C'est une grosse question, ça. Et puis, pour moi qui pose des questions, mes amis, mon TPS qui va le finir là, en 3 août, donc 4 août, c'est pas dernier, eh bien, bon, Napton, que l'administration prend une décision. Est-ce que la pour nous, le TPS, est-ce que la pour reconsidérer encore Haïti et pour un nouveau TPS, Haïti, un nouveau TPS, c'est-à-dire qui va permettre que moun qui rentrait, qui était rentré aux États-Unis après la mort de Jovenel Moïse et qui pas bénéficié actuel TPS qui était là, eh bien, moun sa yo, est-ce que va le considérer moun sa? Est-ce que ça va, y a reconsidéré Haïti encore pour Haïti TPS? Non seulement renouvellement, mais reconsidérer Haïti encore pour programme TPS là. Donc, si on fait, eh bien, tout le monde qui vient après, dernier et décision pour te bailler TPS pour monde qui est venu à peu avant la mort de Jovenel Moïse là et même monde ça qui cap garder là très certainement ben il va faire partie nouveau TPS cap bien faut entendre même pas dire que à Bali on dit faut entendre tant si c'est ça a fait et mais tout là dans tout il y a l'autre qui te pose des questions et monde Biden yo. Bon, monde qui vient dans Biden, nous connaissons Biden, nous avons un visa pour 2 ans, qui cap, normalement, le programme SATA 2 est fini, éventuellement, en janvier 2025, si pas grand qui fait, si ou même au Paris, en régulariser statut pour entrer dans l'autre programme, et pour faire l'autre bagage, t'as qu'on marié, ou bah, quelqu'un qui permet que, ou changer statut, eh bien, si tu as un programme, tu vas renouveler ou bien reconsidérer Haïti dans le programme TPS là. Et d'après ça, un expert dit sur l'immigration, il dit oui, et les gens qui sont capables de rentrer dans le programme Biden. Ou capables de rentrer dans le programme TPS là. Donc, entre toi, il y a deux programmes, il y a Biden et puis il y a TPS. Donc, comme TPS là, il y a tendance à la plus longue, laissée pour 18 mois d'ordinaire, et bon, capable de rentrer là-dedans. Et puis, bon, voilà. Mais, en autant que l'autorité prend une décision, parce que, il y a une négociation qui a fait, militaire qui a défendu les migrants, ils continuent à travailler avec l'administration pour essayer d'être capable ou faire une considération pour Haïtiens. Nous connaissons à cause de la situation, le pays d'Haïti, qui est malouque, eh bien, les gens qui dehors, pas d'amis, retourner dans la situation, ça qui est là. Et puis, il y a une activité à l'aéroport international et Port-au-Prince a recommencé. Avion presque pratiquement tout vol qui était annulé ou bien avion pas allé encore peut-être pour une sécurité. Eh bien, avion, compagnie censée dire exprimer satisfaction avec mesures que l'autorité prend. Eh bien, vol est pratiquement retourné. Mais ticket n'est pas vraiment bon marché. Et il y a tout et dossier nouveau gouvernement. Eh bien, bon, le premier ministre de la Kembe, pour lui-même, 5 ministères, et puis, alors, son problème, il est là parce que, et ses formations gouvernement,
formation nouveau gouvernement. Alors, il y a une cap dit oui, mais il était remettre premier ministre en ampliation, un document qui dit que il nommé qui gagne décret qui dit que le nommé comme premier ministre, mais ampliation ça veut dire tout simplement c'est droit le bali pour droit pour former gouvernement, pour commencer choisir ministre. Ensuite, pour installation parce que installation semble que le pack a fait sans que le premier ministre n'a pas gagné membre gouvernement. Là. C'est donc qu'on parle devant le Parlement. Le Téguon Parlement, et bien le premier ministre, le parle devant le Parlement, il parle présenter politique générale. Donc, il y a une ampliation qui fait, tout le monde qui fait, et puis le salle parle présenter politique générale. Et bien, il doit accompagner avec tout ministre qui va faire partie du gouvernement. Et si le Parlement a approuvé et politique générale là, et le salle, tout monsieur Vinchef qu'on a, il parle justement marcher, installer chaque monde dans le ministère par eux, dans le ministère qui concerne eux. Mais il t'a semblé que le premier ministre, il réduit la quantité ministère à de 18, limité à 13. Et puis, t'a assemblé tout pour aller gagner 3 ministres sans portefeuille, donc, mon qui peut être un ministre sans portefeuille, mais, et ils ont fusionné quelques ministères, t'as coup, un ministère qui fusionnait, il y en a que l'autre, t'as coup, t'as assemblé que le ministère des Affaires étrangères, t'as vu fusionner avec le ministère haïtien qui a vu à l'étranger, t'as par exemple, le ministère commerce qui t'a fusionné avec le ministère du tourisme, donc, gagner, et mais le ministère des Finances était ministère des Finances, le ministère intérieur était pour compte le ministère culture a joint en fait ministère culture avec communication est ensemble et le ministère culture et oui, culture a joint éducation nationale mais ministère des Sports était pour compte lui et puis intérieur était pour compte lui ministère de la Défense était pour compte lui et quoi ministère conditions féminines était pour compte mais ça c'est était pour nous seulement et confirmer ça seulement les officiellement autorités en somme nouvelle capsule qui est mais qui en situation et puis bon Haïti tout sous la menace d'une tempête tropicale qui va faire la pluie cap tomber autorités étaient pour être dans le fond opération nettoyage capital là bon puis monde babier la pluie qui tombait en bas la boue sale fatra tout bas ça autant. Mais en tout cas, le premier ministre a un peu sous tête lui et il reconnaît que ce n'est pas facile, mais il a une mission. Et la mission finale, là, c'est l'organisation des élections. Et les élections pour gagner les nouveaux, en fait, sans d'ailleurs les cadres ou encore nouveaux institutions démocratiques en place, tant qu'au Parlement qui est en place, et puis avec la présidence. Donc la présidence, c'est très certainement, d'après ça qui était dit dans l'accord 3 avril 2024, là, et bien tout le ministère est... T'as deux grands nouveaux présidents qui prêtaient serment 7 février, qui c'est date butoir, là, 7 février 2026. Et voilà. Et, ben, je veux dire, c'est week-end, mes amis. Et, ça me t'a dit, non, là. Oh! Moi, t'ai une interview, nous t'ai en partie dans l'interview que nous t'ai fait avec Gerline Joseph, qui c'est responsable Haitian Group Alliance, qui est basé en San Diego, Californie, et bien, t'ai fait une interview avec elle après le décret présidentiel du président Biden, que groupe ça, tout militant, et bien, même, je dis que, pareil, pour traîner l'administration Biden dans le tribunal, c'est le pas entré décret. Et ça veut dire, parfait, t'as coup, j'ai fait administration, et Donald Trump, là, elle t'ai pas un décret qui était et interdit musulmans, c'est le groupe religieux, c'est le monde dans ces pays qui rentrent aux États-Unis. Eh bien, il dit, on va faire même bas là, même si s'il pas rentré des cas. Donc, interview.